kapomwe Yahweh, Yahweh, batela nikomo Yahweh, Yahweh, benisa nikomwe Yahweh, Yahweh, batela nikomo C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Elle vous est réalisée par Shadrach Mavungu. Élu de la circonscription de Madimba, le ministre provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage, Antoine Wilfred Dumelodi Lukumbo, a participé le mercredi 31 août 2022 à la cérémonie inaugurale de pont réhabilité sur la route nationale numéro 16 et tronçon et Kisantu Ngidinga. Cette cérémonie inaugurale a été présidée par le gouverneur de province du Congo central, Dr Guy Bandou. Roger Misamu et Bienvenue Tsoni étaient sur place. En sa double casquette de ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage et élu de la circonscription électorale de Madimba, le ministre Antoine Wilfred Dumelodi Lukumbo a constitué l'équipe d'avance pour accueillir le gouverneur de province Dr Guy Bandou Ndungidi à Kisantu avant de prendre la route nationale numéro 13 tronçon Kisantu Ngidinga pour l'inauguration des ponts jetés sur différentes rivières. Parmi les 7 ponts nouvellement réhabilités, la cérémonie inaugurale s'est déroulée sur des ponts au premier site situé à près de 50 km de Kisantu et le cinquième jeté sur la rivière Mfidi. À chaque étape, le chef de l'exécutif provincial reçoit des explications claires et riches auprès de son ministre de l'Agriculture et notable de Madimba sur l'importance de ses ouvrages. C'est là, en présence du commissaire général aux infrastructures et travaux publics. Les ponts Kiele, Nsieto, Bongolo et Lassa sont tous construits en béton, alors que le plus bel ouvrage, Mfidi, est quant à lui 100% métallique jeté sur cette grande rivière. Fils du terroir, le ministre Antoine Wilfred Dumelodi Lukumbo s'est montré visiblement satisfait de la réhabilitation de ses ouvrages dans le cadre du programme d'entretien routier, PER en sigle, financé par le Fonds national d'entretien routier FONER, car il est rassuré que ses électeurs peuvent désormais circuler et évacuer leurs produits agricoles en toute sécurité sur cette grande voie routière. Restons toujours au Congo central. Le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou Ndungidi, a participé le mardi 30 août 2022 à la cérémonie de la libération des enfants en conflit avec la loi à la prison centrale de Kamolaï après une bonne période de détention dans cette maison carcérale. Un élément de la presse du gouvernorat. Il a placé la jeunesse au centre de son action. Voilà pourquoi le gouverneur du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndungidi, est derrière celle-ci pour la soutenir et l'accompagner. C'est dans ce cadre que le numéro 1 de la province a assisté personnellement à la libération des 32 enfants en conflit avec la justice le mardi 30 août à la prison centrale de Matadi. En présence de leurs familles respectives, le gouverneur a invité ces jeunes qui ont retrouvé la liberté à la prise de conscience quant à leur choix de vie. De l'eau, nous avons dit que c'est la bino bana. Responsabilité la bino pèse à l'ibo en quatre bana. Vous pèse à bango toli. Pour pas qu'on va battre à Malonga. Moi, on a ce qui a outil, la correction et un bouquet. Ce qui a zongi, à Zalika à moine, a changé statut. Les athées à commis mon colo. À Zaka à moine. Donc, à Yango, moi, on a ici qu'on a place na Ezali, école, tout Ezali, Moussa, place à Voyer, qu'on a Moussa, la quoi, comment. Ezali, balabalaté. La seule chose que je veux vous dire, parce que Nazali, y a un abino, Nazali, papa, nabino. Conseil qu'on a zopé ça. Le bon, le long, l'état, bimi, si, bino, azo, si, bino, dans ma famille. Bokende, koye, kola, misala, ba, on, ba, bozo, ga, classe, pe, bazali, le long, gratuité de l'enseignement, isani. Soki, omoni, kenze, la classe, isa, moi, difficile, yé, kola, ta, moussala.
Apollonia Longo et Arlette Ndiati Timba, respectivement directrice adjointe de la prison du Komolaï et présidente du tribunal pour enfants, ont tour à tour plaidé pour l'amélioration des conditions des prisonniers et des enfants en conflit avec la justice dans les Congo centrales. Il s'est de noter que la prison centrale de Matadi a été construite en 1934 avec une capacité d'accueil des 150 détenus, mais elle comporte à ce jour 650 prisonniers. L'affaire augmentation des émoluments des députés nationaux jusqu'à 21 000 dollars américains fait couler beaucoup d'encre et salive au sein de la classe politique congolaise. Plusieurs personnes réagissent. Les cas de M. Joseph Mabanga, président des notables ici des 366 groupements du Congo central. Il a été joint au téléphone par votre rédacteur Roger Missam. C'est un pillage de ressources des Congolais. Ça ne s'est jamais fait au monde. C'est une association de malfaiteurs. Nous condamnons et leur place tous c'est à Makala. Tenez, la Constitution en son article 56 dit tout à tout accord, toute convention, tout arrangement. Donc ça maintenant on est à tout arrangement. Qui a conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de leurs moyens de subsistance, et c'est le cas d'espèce, est érigé en infraction de pillage punie par la loi. Et l'article 57 de notre Constitution dit les actes visés à l'article précédent, ainsi que les tentatives, quel qu'en soit le mode, s'ils sont faits par une personne investie de l'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. C'est clair, c'est un arrangement de mafieux. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nos enfants n'ont pas de banc, les anciens ont l'air à donner 20 000 francs, les médecins n'ont pas d'équipement, les étudiants n'ont pas de bourse, les sénats et aïe moins. Mais ils ont eu des jeeps illégalement. Ils ont des frais d'émission illégalement. Voilà pourquoi ils ne contrôlent pas. Nous invitons les enseignants de tenir bon parce que l'argent est là, mais on l'a prise. Nous invitons le corps scientifique de toutes les universités de tenir bon. Nous invitons les médecins, les fonctionnaires. Nous allons former un tout pour que les jours qui viennent, nous ayons une assemblée générale tous et nous verrons qui c'est lui-là qui viendra toucher toute cette corporation. C'est maintenant ou jamais. Dans l'actualité nationale, deuxième réunion interinstitutionnelle en rapport avec le projet de loi de finances d'exercice 2023. Ces assises se sont déroulées à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Quelques jours après la conférence budgétaire, au cours duquel tous les ministres avaient transféré leurs prévisions au ministre d'État en charge du budget, Aimé Bodji, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion interministérielle à l'hôtel du gouvernement le mercredi 31 août 2022 à Kinshasa. Cette table des échanges avait comme objectif étude du projet de loi du budget de l'exercice 2023. Les membres du gouvernement Sama ont étudié profondément les documents établis par le ministère du budget pour toilettage avant le dépôt du projet de loi de finances au Parlement à la session de septembre dite budgétaire, prévue le 15 septembre prochain. À l'issue de ces échanges, le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, s'est exprimé à la presse. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion interministérielle qui a réuni toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet de budget. Vous avez suivi qu'il y a eu quelques jours sous les auspices du ministre d'État la réunion, la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les États, les services du ministère du budget ont tâché de réagir et qui ont permis au ministre d'établir un certain nombre de documents qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive parce qu'il y aura une réunion qui suivra, il y aura un conseil des ministres qui permettra d'adopter les budgets qui sera quelques jours après déposé à l'Assemblée nationale. Le gouvernement des Warrior est donc déterminé à déposer les projets du budget au temps indiqué par la loi. Et enfin, à Uvira, dans la province du Nord-Kivu, plusieurs maisons sont englouties par les eaux du lac Tanganyika. Les habitants de cette cité s'inquiètent et de cette montée des eaux du lac Tanganyika.
Les détails dans ces reportages de notre correspondant dans la région du Grand Lac, Daniel Michombero. Même les zones jouxtant les flots, pourtant inconstructibles, ont vu pousser des quartiers. Les responsables n'avaient jamais cru que les eaux du lac Tanganyika pourraient menacer leurs parcelles. C'est le cas de Masako Kialokogo, responsable de ces bâtiments envahis par l'eau. Il s'agissait des night clubs. En face, c'était une terrasse qui est déjà sous l'eau. Voici la limite de ma maison. C'était vraiment un débordement tout fait. C'est un phénomène qui n'avait jamais existé ici. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment le lac est arrivé à ce niveau. Le lac Tanganyika a détruit beaucoup de maisons ici. Considérant les dégâts, l'autorité locale préconise la déclaration d'Uvira comme une ville sinistrée. Kapenda Kifara, maire adjoint d'Uvira, revient ici sur les bilans provisoires. Ces catastrophes ont touché sur la vie en général de la ville d'Uvira. Il y a eu perte d'hommes, perte de matériel, perte dans l'économie. Uvira, c'est normalement, devrait être déclaré ville sinistrée, compte tenu de tout ce que je viens de vous parler ici en bref. Kalemi, l'une des principales villes de la côte occidentale du lac Tanganyika, a aussi subi les chocs. Presque un quartier a été détruit par les eaux du lac Tanganyika. La montée des eaux s'explique par la pollution de multiples rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika. Eli Kabera, environnementaliste de la ville de Kalemi, évoque les effets du changement climatique et invite ainsi la population à l'application de bonnes initiatives écologiques. C'est un problème du changement climatique parce que ceux qui ont vécu il y a longtemps dans cette ville, quand on leur parle de cette histoire, ils nous disent clairement qu'on a connu des temps forts de ce lac, mais ce que nous voyons là-bas, c'est très dangereux. Et on comprend que c'est un changement climatique. Auquel nous sommes en train de faire face. Il s'agit ici d'un fléau qui touche quatre pays dont la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Les relevés météorologiques des dernières années montrent ainsi une intensification de chutes de pluie torrentielles, selon les experts. Depuis Kalemi, Daniel Michombero, Mabanyor Télévision. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Merci pour votre attention soutenue. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont concouru pour la rédaction, mais sinon la réussite de la livraison de cette édition du journal. Au revoir.